À 10 minutes du centre-ville de Lorient, on peut remonter 300 ans en arrière, directement à l'époque de la Compagnie des Indes. En fait, ce bateau-bus, c'est encore mieux qu'une machine à remonter le temps. Allez, larguez les amarres! Fièrement dressée à l'entrée de la rade de Lorient, la citadelle de Port-Louis protégeait les trésors ramenés par la mythique Compagnie des Indes au XVIIe siècle. Aujourd'hui, la citadelle est plus belle que jamais et renferme de nombreux trésors exposés au sein de deux musées qui valent le détour. Salut Audrey. Salut Evan. Alors tu travailles à la citadelle, plus particulièrement au Musée National de la Marine, et ici, il y a deux expositions à ne pas rater. Tout à fait. On a une première partie consacrée à l'histoire du sauvetage en mer, à cette aventure humaine qui unit les hommes, et une deuxième partie consacrée à Trésors d'océan, qui relate l'aventure des vaisseaux de la Compagnie des Indes qui ont malheureusement sombré. Quel type de trésor est-ce qu'on peut trouver? On retrouve de la porcelaine, des canons et plein de petits objets du quotidien qui se trouvaient à bord de ces navires. Et alors de l'autre côté du Musée National de la Marine, on trouve le Musée de la Compagnie des Indes. Quel type d'expérience est-ce qu'on peut vivre là-bas? Alors, au Musée de la Compagnie des Indes, vous allez parcourir l'aventure de cette compagnie qui a une histoire exceptionnelle, de sa création à Lorient jusqu'à la fin de cette aventure humaine. Et vous trouverez plein de petites surprises dans ce musée. C'est bien, tu ne nous en dis pas plus. Teasing, teasing. Franchement, cette citadelle, elle est canon! Et quand on arrive sur le toit du musée, eh ben on peut profiter de cette superbe vue sur la rade. Tout à fait, Evan. Du haut des remparts de la citadelle, on peut bénéficier d'une vue à 360 degrés sur le territoire, ce qui explique l'emplacement stratégique de la citadelle de Port-Louis. Audrey, on va faire un petit jeu. Tu as le droit à un mot pour donner envie aux gens qui nous regardent de venir visiter la citadelle de Port-Louis. Maritime. Maritime, pourquoi? Car la citadelle et ses musées, on traverse plus de 400 ans d'histoire maritime. Eh ben super, eh ben moi je rajouterais bonne surprise, ça fait deux mots, mais c'est moi qui fais la règle, alors c'est comme ça. Pour une citadelle qui date de 300 ans, ils ont un bar de plage ultra branché.